suite. Il avait une fente, il était fendu. Et quand on appuyait dessus, ben, ça coulait légèrement. Donc on a imaginé qu'il y avait ça pouvait venir de là, mais ça sentait pas l'essence. Ça sentait autre chose, mais pas l'essence. L'un de nos amis, notre ami danois, lui, il va franco, il prend son doigt, il trempe dedans, et il pousse ça, il met ça sur sa lèvre, il goûte, il dit c'est du gasoil. Bon. Donc, j'achète des couches, comme ça, voilà. On éponge, on les met alors ça se situe dans la cabine arrière, je vais montrer ça. Et cabine bâbord, sous le bol du préfiltre, mais c'est pas le préfiltre. Si ça avait été le préfiltre, on aurait eu des entrées d'air et là le moteur aurait touché, ça n'aurait pas fonctionné. On n'a pas du tout de problème de moteur. J'ai imaginé aussi que ça pouvait venir du fait qu'en quittant le bateau, on avait fait le plat à ras-bord, qu'il y avait une fuite au niveau du tuyau entre la nappe de remplissage et ce qu'on appelle la tétine du réservoir de gasoil. Ou même un tuyau qui peut être fendu. Alors le tuyau d'alimentation principale ou le tuyau de trop-plein qui remonte juste en dessous de la nappe de remplissage. Au bout de quelques jours, tout ça disparaît. Plus d'écoulement, plus besoin d'éponger avec les couches, donc tout est correct. Donc on remet ça sur le coup d'un bidon qui s'était vidé, ou d'un bidon de 10 litres. J'ai deux bidons de 10 litres, dont un était encore plein, qui pouvait avoir fui. Et hier, je refais le plein à Vonitsa, je refais le plein, en faisant attention de ne pas trop remplir quand même. Donc le gars avec son robinet. À 6 vota, d'accord. À 6 vota, on fait le plein. Pas à bord suffisamment pour voir le niveau dans le tuyau, quoi. Et on part, on navigue. Et en arrivant au bout de la navigation, à méganiser, je regarde et là, je vois les couches que j'avais disposées préventivement, pleines de gasoil. Donc, conclusion, on peut dire que la fuite vient au moment du remplissage. Et donc, forcément, c'est soit le tuyau de remplissage ou c'est soit le raccord entre le tuyau et la tétine du réservoir. Je présume que c'est ça. Donc hier, on a fait 4 heures de moteur. On aurait pu faire de la well compass, mais on a fait 4 heures de moteur pour consommer du gasoil et abaisser le niveau. Au moins, vider ce qu'il y a dans le tuyau entre la tétine et le nab. Et puis, là, je regarde ce matin, il y a beaucoup moins, quoi. Ça semble être absorbé, donc on va voir ça. On navigue encore peut-être un petit peu, on fera encore une ou deux heures de moteur pour consommer. Bon, une heure chez nous, c'est 1,6 litre hein, à l'heure, en moyenne. Donc une heure, c'est 2 heures de moteur, c'est 3 litres. La contenance du tuyau, ça doit être autour de 3-4 litres, donc je suppose qu'il est vide. Donc voilà, donc là, j'éponge le restant, et on va aller voir au fond de la cabine, dans la cabine bâbord, comment ça se passe tout ça. Voilà, on va déjà ouvrir le capot moteur. On ouvre le capot moteur et on va aller regarder. Alors, ici devant là, j'avais un peu de matériel. Tout ça c'était plein de gasoil. Et là j'ai mis une grande couche. Mais elle n'a rien. Elle n'a plus rien en ce moment, malgré la dernière fuite. Parce que j'ai mis des couches en amont. Sous le moteur, il n'y avait rien. Donc ici, il n'y avait rien. Là, il y en avait un petit peu dans cet écoulement. Là. Et puis. Alors maintenant, allons dans la cabine. Voilà. On va mettre un peu de lumière. Donc voilà le préfiltre. Et lui, il est en ordre. Alors en dessous, on voit les couches que j'ai mis préventivement. Et ce matin, elles étaient correctes. Mais là, avant-hier, elles étaient complètement abîmées. Là, c'est le calculateur. Et là, j'ai mis, voilà, tout à l'heure, j'ai mis un,
un sopalin. Et derrière, j'ai rempli avec un verre de Ricard. Parce que le Ricard neutralise l'odeur du gasoil. Et là, je vois que mon sopalin que j'ai mis dans l'orifice, ici. Il est complètement imbibé. Alors, je vais le sentir. Il sent le... Il sent un mélange Ricard-Gasoil. Donc là, voilà, le gasoil, il chemine entre les varangues par ces trous-là. Et donc, il va couler là. Et puis, de l'autre côté, ici, il y en a d'autres. Voilà, et ça coule jusque, comme ça jusqu'à la pompe de cale, au centre du bateau. Là, je ne sais pas trop, parce que j'ai versé un demi-verre de Ricard pour neutraliser l'odeur. Donc là, je sais, ça, c'est complètement imbibé. C'est peut-être mon verre de Ricard. Hein. Donc voilà, là, je vais nettoyer tout ça. Maintenant, il faut que je sache quel est le circuit intérieur de ces verres. Alors ça, ce circuit-là, ces orifices, ça a un nom. Il faut que j'aille rechercher tout ça, parce que le plan de cheminement, je ne l'ai pas dans ma notice, mais je l'ai dans la version suivante du bateau, le 389, dans le manuel, il y a le descriptif. Donc voilà, cet hiver, je vais demander au chantier de démonter les planchers. Je ne sais pas comment ils vont faire pour accéder à l'orifice du réservoir, au raccord entre le tuyau, parce que moi j'y ai pas accès, ni impossible d'y avoir accès sans démonter pas mal de choses. Alors là, j'ai mis du sopalin enroulé dans le trou. Et ce sopalin va venir absorber comme un buvard. Ça commence déjà là-bas, là. Ce qu'il y a à l'intérieur. Et en dessous, j'ai mis la couche. Si bien que ce qu'il y a de surplus du sopalin va venir sur la couche. Et tout ça, d'ailleurs, ça commence à s'absorber, là. Ça aspire. En réalité, c'est une fonction d'aspiration. La première fois, on avait reversé au fond de la cale une bassine entière d'eau avec de la lessive. Et j'avais réaspiré avec la pompe pour vidanger le moteur. Mais c'est très difficile à amorcer. Donc là, on voit bien que ça aspire. On voit bien que le sopalin change de couleur à l'orifice. Ah oui, c'est fou. Donc quand il sera complètement imbibé, j'en rajouterai un autre. Maintenant, je vais aller voir sur Internet le plan des varangues là, et du cheminement. Et ça, je vais le mettre à la poubelle. Oh, yeah. Yeah. Bon, chin, 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 chin. Yamas. 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 Yes, Yamas. That's right. You're going home tomorrow. Yes. We're going ashore. End of the season. Kamel yeah. Tsita s'en va. Comme ils ont vendu le bateau, eh bien, c'est la dernière fois qu'on le voit à l'eau. L'année prochaine, ça sera sur un autre bateau beaucoup plus gros. Donc il s'en va à la marina de Ionian en face, là-bas. Voilà, ça c'est la dernière remontée de Jazabi pour la saison 2003. Voilà, qui se termine. Voilà,
ce matin là, ça a débuté à 8h30 et c'est la queue des bateaux les uns derrière les autres. Sorti pratiquement en même temps que Jazabi. Jazabi, nos amis, Rock'n'Roll à côté. Bon ben voilà, Jazabi est prêt pour les interventions d'hiver. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On va changer les tuyaux d'évacuation de la boîte noire, l'arrivée et la sortie. Je leur souhaite beaucoup de plaisir parce que c'est pas un travail évident. On change pas la vanne, les vannes plastiques comme ça, c'est pratiquement inusable. Bon, la cabine avant, bien sûr, elle est pleine parce que on a vidé les deux cabines arrière. Voilà, ça c'est ce qui normalement est dans la cabine, disons, on l'appelle la cabine technique, mais là elle est vide parce que on va chercher la fuite de gasoil. Cette fuite de gasoil qui est intervenue ici au moment où on fait les pleins, donc ils vont sans doute démonter les planchers, pas de ce côté là paradoxalement, la fuite on l'observe ici, mais le réservoir est de l'autre côté. Ici le dessous là, c'est un des deux réservoirs d'eau, et ici on a le... Ah là, ça sent le gasoil hein. Donc là, on a la trappe qui mène à la timonerie et au Westabo. Alors, j'ai observé qu'ici, l'alimentation du Westabo, ben, elle fuit légèrement puisque j'avais complètement nettoyé il y a un mois et demi. Et là, il y a de nouveau, c'est de nouveau gras. Donc, je crois qu'ils vont démonter tout ça. Non, je peux voir. Ça peut être le réservoir, comme ça peut être le en surface. On va se laisser surprendre là. Donc ça c'est batterie moteur, chargeur qui ne charge que la batterie moteur et celle du propulseur, et puis ici le répartiteur avec ici la prise qui va au DC-DC, au chargeur Victron Orion, qui va charger la batterie lithium. C'est le
l'alternateur charge par là. La batterie lithium qui se trouve de l'autre côté. Un petit tour. Alors là, j'avais des pièces de rechange. Ah oui, on a fusillé le... On a fusillé l'hélice du propulseur pour la troisième fois. Ne jamais manipuler le propulseur quand on manipule la pendille en même temps. C'est ce qui nous est arrivé, c'est le défaut. Donc ici, l'inverteur, l'onduleur, avec le commutateur vers l'onduleur pour avoir le 220 sur le réseau. Là, c'est off, c'est neutre. Et là, c'est vers le quai. Voilà. Tout ça, c'est Stéphane, mon gendre, qui maîtrise bien le sujet. Donc là, c'est le Victron Orion qui charge depuis l'alternateur. Là, je vais faire un trou pour mettre le petit bouton de... Mais je vais mettre une platine. Je vais mettre une platine et le bouton sera en surface. Là, j'ai pas pu le passer parce qu'il n'a pas les bonnes dimensions. Donc, j'avais mis un bouton provisoire. Comme ça, ça c'est provisoire. Donc, on met le bouton sur on quand on veut que la batterie lithium soit chargée par l'Orion. Ça, c'est à la demande. C'est pas systématique. Et la batterie lithium, elle se trouve ici. À l'endroit qui était normalement destiné. Alors j'ai débranché, je débranche l'hiver, je débranche les panneaux solaires et je débranche la batterie aussi. Là elle est débranchée. J'ai mis un petit capuchon sur le plus. Voilà, j'ai scotché toutes les prises. La batterie lithium, l'hiver, elle ne bouge pas d'un poil quand elle n'est pas sollicitée. Voilà. J'ai mis un petit panneau pour leur indiquer aux techniciens si jamais ils avaient besoin de... Si jamais j'avais besoin. Disconnecté, je ne sais pas s'il y a deux N. Bon, ça se comprend quand même. J'ai enlevé les sous le matelas, je les ai roulés pour qu'ils puissent, s'ils ont besoin, d'enlever les planchers. Là, à mon avis, ils n'ont pas besoin ici, de ce côté-là. Voilà, ça c'est le compas. Ne jamais placer ici d'objets métalliques. Parce que ça le perdure, le compas. Bon. Ok. Voilà. Les toilettes, il faut que je laisse la porte ouverte. Ici, on a tout vidé. Les vannes plastiques, celle-ci est fermée. Elle ne me pose pas de problème. Les autres qui sont là-dessous, là, elles sont... Je les laisse ouvertes, mais je les manipule de temps en temps. Je les laisse ouvertes. Voilà. Et le tuyau, bah, le tuyau, il part de là, là. Et il va dans la boîte noire qui se trouve ici. Voilà. Et qui arrive là en haut, là. Ce tuyau, il va être changé. Il doit être certainement plein de concrétion. Hein. Et puis, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, c'est la tétine qui se trouve ici. Ça, c'est vers la nappe, là-haut. Là. Si on veut le remplir d'eau ou le rincer. Ce que j'ai fait avant d'arriver ici. D'habitude, je laisse de l'eau dans la cuve pour que ça reste humide et pas pour que ça sèche. Je le fais pas là parce qu'ils vont devoir intervenir, donc c'est pas très agréable d'avoir quelque chose qui est encore à vider. Voilà, donc là on va monter sur le pont. Des petites affaires que j'emmène. Le bimini est plié, les panneaux solaires sont débranchés, on les laisse comme ça. Là, on a fait par Caroline. Caroline, c'est noix de coco. On a fait remettre à la place des fenêtres qui étaient mortes. On a remis du tissu. Donc ça nous fait une capote d'hiver qui protège l'entrée sous laquelle on met les boots.
la bosse de génois. Je la laisse en place parce qu'elle va être changée quand on va arriver la saison prochaine. La baille de mouillage est pleine avec tous les barbatages. La télécommande de Guindeau, je ne l'enlève jamais. Et quand on vérifie les cosses, elles sont toujours intactes. Quand je les enlevais, j'avais toujours du vert de gris dessus. Là, on va essayer de... J'ai demandé à ce qu'ils arrivent à... Aïe, c'est fou, là. À débloquer cette pièce qui est bloquée, là. Parce que ça, c'est du... C'est de l'inox et ça, c'est de l'alu. Et l'inox alu, bah, ça se soude. Ça fait électrolyse et ça se soude et ça se bloque. Donc, c'est quelque chose à manipuler régulièrement. Si on va s'en servir en main libre, quoi. On peut l'utiliser comme ça, mais là, il faut utiliser le moteur, enfin l'électricité et le guindeau en descente et en montée. On ne peut pas le lâcher en roue libre. Bon, on verra ce que ça donne s'ils arrivent. Donc, la grand voile, trop compliqué à démonter seul avec des full battens. Donc on a opté pour la housse, la sur-housse, qui est entièrement, qui n'a pas d'orifice pour les lazy jacks. Donc là, les jacks sont remis sur des sangles. Voilà, c'est ficelé. Là, je vais refermer ici pour éviter que des animaux comme les guêpes reviennent faire leur nid. Je vais utiliser les... Voilà. Toc. Et là, on va fermer. Alors, on met ça pour occulter. Toc. Voilà, ici on a mis en dessous, on a mis des boîtes pour pas que ça s'affaisse, parce que sinon ça fait cuvette. Ça fait cuvette et l'eau stagne là-dessus. C'est des petites astuces. Voilà. Donc voilà, moi je descends maintenant. Naturellement, tous les bouts là, dans les paniers, derrière, planqués. Ici, c'est abrité de l'eau. Beau travail de Caroline. Voilà, donc la vieille capote sert toujours pour l'hiver. Bon, l'hélice qui se met en drapeau, autopropre. Je la nettoierai à la saison prochaine. C'est drôle, quand elle est... Il faut qu'elle s'équilibre en tournant. Bon, on a gagné pas tout à fait un nœud, mais presque 0,8-0,9 pour le même nombre de tours. Ça a été positif, ça, ce changement d'hélice, pour une consommation équivalente. C'est les points de graissage, là. Ici, là. Je fasse ça à la saison prochaine. Je suis encore dans l'expectative si on refait le carénage. Parce que il est propre. Là, il y a des petits points. Là. Bon, à voir. L'hélice qui a disparu. Donc, à refaire. Voilà. Bye bye, Jazabi. Passe un bon hiver et au printemps prochain. Ça coule toujours. Alors moi, l'encre, elle reste là-haut, hein. Elle descend pas. Comme personne ne sait pourquoi il descend l'annexe, il descend les encres. Ouais, il y en a. Là, c'est presque. Il y en a la moitié qui les laisse, il y en a la moitié qui les descend.
comme je dois allumer le moteur, mettre le moteur en marche pour actionner le guindeau et remonter l'angle, je ne fais plus ça à la main, je ne remonte pas 70 mètres à la main. On se préserve. Et voilà. On va pas... Bon, là, nous sommes sur un Wauquiez 48 de nos amis Coquenrol, Pierre et Cathy, qui ont un gros problème que je vais vous laisser découvrir. Voilà les pontilles. Eh bien, les pontilles, effectivement, c'est la même que sur Josavi. Ah ouais? Ok. Bon. Je me suis dit, pour le coup... Avis, c'est peut-être même plus faible que sur Josavi. Parce que... Alors moi, j'ai... Voilà, d'accord. Mais alors, t'as dû tout démonter, là, pour avoir accès? Bon, je vais pas démonter grand chose, c'est juste une plaque à retirer. Ah ouais. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà, là, les pontilles. Et c'est, on ne peut pas dire que c'est flambé. C'est pas flambé. C'est comment, crazy. Je ne connais pas l'expression technique. Elle est écrouille ou même pas écrouille. Elle est compressée. Donc il faut savoir que toute la poussée hélique du bateau, elle est transmise ici. Au-dessus, c'est le mât. Et donc la pierre se posait la question de que tout son gréement était mou, quoi, avait du jeu. Même les spécialistes devoir voir ça très très rarement. Hein. En fait, cette pièce non seulement elle est en compression, mais elle a aussi elle subit aussi les torsions du mât et donc elle doit être suffisamment rigide. Déformation du pont, voilà. Là, c'est pas de jeu, puis ça s'écarte.